Yo les potes, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les petits potes, nouvelle vidéo très attendue, on va pas se mentir. Enfin, elle était attendue il y a un an, maintenant je pense que vous en battez un peu les couilles. Parce que voilà, on avait fait deux vidéos avec mon acolyte Timout. Salut. Oh c'est nul, oh, c'est nul, vraiment la chier. Nul. Le mec le moins à l'aise au monde. Oh putain mec, c'est nul. Sa chaîne YouTube sera bien évidemment dans la description ou sur la petite fiche juste ici là, voilà, juste ici il y a une petite fiche, bah tu cliques dessus et il y a sa chaîne et tu vas la voir parce que c'est, il fait des bonnes vidéos en vrai. Voilà. Bref, on avait fait deux vidéos, joke de papa, donc joke de papa 1, joke de papa 2, donc voilà, c'est un challenge qui date, c'est un concept qui date de il y a un peu plus d'un an. Et du coup joke de papa 1, il l'avait gagné, joke de papa 2, j'avais pris ma revanche, j'avais gagné. Tout va se déterminer un an après, maintenant, avec le joke de papa 3. On a un gage aussi les gars pour le perdant a un gage, c'est très simple. Enfin c'est très simple. Oh c'est pas très simple, non. Facile à expliquer mais pas très facile à faire. Tu vois ce petit oignon cru, tu croques dedans, comme ça genre... Tu croques dedans, tu mâches, t'avales. Et attends, bah oui. Non mais attends, parce que ça déjà, ça. En fait, c'est une petite mise en bouche. Ça, c'est l'entrée, ok? Parce que tu vois, de base, Michou m'avait proposé l'oignon et moi j'ai dit mec, viens on bouffe du piment juste après, gros. Voilà, on a un petit bocal rempli de piment. Bon, bien sûr, on va pas prendre tout le bocal, juste un piment après l'oignon cru et on voilà, est, ça fait le taf. On n'est pas mazo. Donc comment vous dire que le perdant va souffrir, hein? Est-ce qu'on serait pas parti? Est-ce qu'on commencerait pas le duel de blagues? Alors attends. T'es prêt? Parce que là c'est vrai qu'on va se mettre dans une ambiance, on doit plus rire gros. Un rire égale un point. Ok. Ok, je commence ou tu commences? Vas-y Shifumi. Vas-y. Shifumi. Shifumi. Ok, je commence. Je commence. Alors attention. On reprend nos... Mais mec c'est incroyable. En fait à partir du moment où tu te mets dans un mood que tu dois pas rigoler, ça te donne envie de rire, c'est horrible. C'est un truc de malade. Pourquoi les schtroumpfs rigolent tout le temps? Parce que l'herbe leur chatouille les couilles. Là t'as rigolé là gros. Mais mec c'est la pire blague mais c'est tellement drôle. Oh mec vraiment je suis nul. Ok 1-0 alors là oh, ça démarre bien pour moi. Ok j'en ai une. Vas-y. Un policier m'arrête pour un contrôle d'identité. Il me dit papier monsieur. Je réponds ciseaux. Yes il a perdu. Oh non, t'es un amateur parce que je retenais mon rire et là t'as dit yes, il a perdu. C'est vraiment la chute. Mec, je te jure, c'est vraiment la chute. Hein. Timout, yes. Est-ce que tu connais l'histoire de l'homme à 5 sgegs? On dit que son slip lui va comme un gant. Yes, mon gars. Yes, c'est trop chaud, mon gars. C'est vraiment les pires blagues, mais bordel, c'est trop drôle. De ouf ça. Alors, c'est juste 5 mots. Femme qui rit. Femme fromage. Femme qui rit, femme fromage. Elle est trop bien. Mec, elle est trop bien. Elle est trop bien. Oh non. Oh putain. En plus, toi qui rigole par-dessus, bah forcément, je rigole. Ok. J'en ai une. Elle est pas mal. J'ai un rebondissement et tout. Tu vas comprendre. Pourquoi Harry Potter chuchote? Je sais pas. Parce que Dumble dort. Ah, je vois que tu n'as pas ri. Harry. Yes! Yes! Mec, le rebondissement! Je suis sûr que ça c'était même pas dans la blague. Si! Il a mis ok, personne n'a ri, je me casse. Ok, j'en ai un. Second degré. Second degré, ok. Un gars vient d'être admis à l'asile. Tu vois, c'est un asile. Oui, une asile. Fou, quoi. Voilà, une asile de fou. À peine rentré, il s'écrit: mais il y a un monde fou là-dedans! Il y a un monde fou. Oh, c'est. Ah, c'est pas mal, hein. Elle est pas mal. T'es un comique, toi. Eh ouais, t'as vu ça. Elle t'es vraiment, t'es trop drôle. Elle t'as vu ça, mec. Elle c'est trop drôle. Ok, j'en ai une. Dis Siri, raconte-moi une blague. Soyons sérieux, Miguel. Oh, j'avais pas vu. Il a écrit sérieux, Siri, sérieux. Allez, le point gratos. Le point gratos. Oh non, mais mec. En fait, j'avais pas compris la blague. Je regarde mon tel et je vois écrit Siri-E. Oh non. Ok. Oh non, okay, Siri. Oh, t'es un bâtard. Et bien, vu que toi t'as fait Siri, moi j'ai fait avec Google. Plagiat. Vas-y. Vas-y, fais. Ok, Google. Raconte-moi une blague. Une blague. C'est parti. Que dit le bonhomme
bonhomme de neige accusé d'avoir carotte ses amis. Je vous promets, ce n'est pas moi. Regardez, je suis blanc comme neige. Oh, c'est des fins. Oh. Mais les bruitages à la fin, c'est l'amour. Oh, mais à quel moment il y a des bruitages? Mais oh non. Mec, c'est le meilleur truc. mais vraiment, la blague elle est nulle à chier, mais ce qui nous a fait rire, c'est genre. Ah mais oui, le bruitage, bordel. Comment fait un nain pour se torcher le cul? Oh yes, le free point, le point gratuit. Oh, le pire c'est que la blague était pas si ouf. Vraiment, yes. Mec, du coup, jure. Comment un nain fait pour se torcher le cul? Bah il court dans l'herbe. Ok, très courte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un fou qui travaille à la poste? Un timbré? Il y a eu quelque chose, mais ça suffira pas pour me faire rire, voilà, je te le dis. Ok. Ok, il y a un gars, il met une claque. Un gars. Oh non, je devais te mettre une claque pour la blague. Sauf que tes lunettes, elles sont un peu volées. Ouais, du coup, je disais, il y a un mec, il met une grosse claque à un mec, ouais. Comme je t'ai mis. Ouais, ouais. Et lui dit, ah, tu l'as pas venu, tu... Y'a un gars, il met une grosse claque à un gars. Oh non, mais on a tous les deux perdu, c'est bon. Bah, je te dis même plus la blague, ça a rien. Bon, y'a un gars, il met une grosse claque à un gars. Ouais. Et lui dit, ah, tu l'as pas vu venir celle-là. Sauf que le gars était aveugle. J'allais te faire la chute que ça, mec. J'allais vraiment te faire ça comme chute. Ah bah, c'était ma blague. J'allais vraiment te demander, est-ce qu'il serait pas. Tu l'as pas vu venir celle-là. Voilà, je suis désolé. En plus, je te l'ai déjà fait au début, je te le refais. Je suis vraiment un fils de. Ok, donc deux fous vont à la messe. L'un dit à l'autre, bouge-toi les oreilles avec du coton. Pourquoi faire? Parce que Jésus-Christ. Oh, il l'a dit en criant. Ah c'était pas mal. Ok, bon, Batimout, on arrive sur une fin de vidéo. Je pense qu'on a épuisé toutes nos blagues, hein. On commençait à galérer à trouver des blagues. Problème, on va pas se mentir que... On s'est paumé dans les points, mon gars. On s'est paumé en cours de route, voilà. On sait plus Alors, on s'est arrêté. Qui a perdu, qui a gagné. On pense qu'il y a égalité, mais on n'est pas sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va tout simplement le faire tous les deux le faire. Voilà. Du coup, voilà, je sais pas qui a vraiment gagné. Et celui qui a vraiment gagné d'entre nous deux va quand même faire le gage. Du coup, il s'est bien fait niquer. On peut le dire. Les gars, je vais vous faire montrer la gueule d'un piment. Vraiment, t'as pas envie que ça devienne ton copain. T'as pas envie que ça devienne ton copain. À quel moment tu veux qu'un piment devienne ton copain de base? Regardez la gueule du piment, mec. Tu vois bien que le truc, il va t'arracher ta race. Ok, je commence. Ok. Je commence comme ça, une fois que c'est fait, moi je suis libéré, après je me fous de sa gueule. Ok. Ça va être dur. Ça va être dur, les gars, oignon cru, et bah j'ai envie de vous dire. C'est parti, hein. Mais faut que j'avale en plus. Bah oui. Hein. Mec, ça va être trop dur. Et après, il y a le piment, mais mec. Ah ouais, mon gars, on va. Avaler, déjà, rien que là, le fait de croquer dedans. Mon cerveau il a pas envie. Ah ouais, mais avaler. Vas-y, fais un décompte. Sinon, ok, je vais y arriver. 3, 2, 1, go. C'est bon. En vrai, il y a pire, hein. En fait, ça a pas de goût. Ah, là, ça commence à piquer. Là, ça commence à piquer dans le fond de la gorge. Le moment où t'avales, là, tu sens que ça pique. Ah, ça commence à piquer. Ah, oh, mais là, c'est horrible parce que ça commence à piquer. Mais je dois encore prendre un piment. Vas-y, je le fais tout de suite. Mec, mais attends, moi, je vais faire comment? Voilà, je le fais tout de suite. Ok. Mais tu bouffes vraiment. Voilà, piment. Entier. Oh, oh non. Ah oui, ah là, je l'ai fait, il est immédiat. Oh, mais horrible! Ah, c'est vraiment si horrible que ça, mec! Ah! J'arrive pas à avaler! J'ai la bouche en feu, mec, mais what? Je pleure! Mec, je suis vraiment en larmes, hein! T'as les yeux rouges, mon gars! Je suis vraiment en larmes, mec! Mec, t'as les yeux rouges! Mec, quand j'ai été défoncé! Oh, c'est fait! Ah, maintenant je vais me foutre de sa gueule à lui! Oh, yes! Oh, il a pris un énorme bout! Il a pris la moitié de l'oignon. Mec, j'avoue, ça a pas de goût. T'as vu, au début, ça a pas de goût. Après, ça va commencer à te piquer un peu. Et tu vas prendre l'oignon, c'est fini. C'est le mélange infernal, hein. Mec, en vrai, ça va. En vrai, ça va, hein. En vrai, les gars, je vous jure que croquer dans un oignon cru, ça passe.
Le gars, il va le finir. Le gars, il mange une pomme. Il mange une pomme, vraiment. Il s'en bat les couilles. Vas-y, bah, y'a plus que ça, hein. Voilà ce qui reste de l'oignon, les gars. Il l'a dégommé, hein, vraiment. Ok, le piment à Timoute. Oh, j'ai le ventre qui gargouille, gros. Il va mourir à la fin de cette vidéo, bordel. D'ouf. Bon, allez, là. 3, 2, 1, le piment. Oh, il putain, l'a fait. Oh. T'as vu, c'est instant. Oh, oh. Et t'as mal, hein. Oh, ouais, j'ai avalé, là. Oh, trop fils de pute. Oh. Wesh. Ah, il pleure. T'as vu, c'est instantané, mec. C'est instantané. Oh, il pleure, je suis mort. Bon bah voilà les potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vas-y, tu fais l'outro. Oh non. Oh mec. Vas-y, fais-nous une belle outro là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait ultra plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, à sa chaîne, ça fait ultra plaisir. Voilà la chaîne de Timouda dans la description bien évidemment. Il va mourir vraiment. Tu veux que je finisse? Bah en tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, c'est sympa, merci.